Célène, je croyais que seule ta mère avait la capacité de résister à la lumière du soleil. Tu peux m'en dire plus sur elle? Au commencement, ma mère fut changée en vampire par une créature de la nuit que l'on nomme Nosferatu. C'était il y a plus de 15 000 ans. Ce dernier venait d'une autre planète peuplée de vampires pur sang. Cette planète était accessible par un portail qui se situait en plein milieu de Sant'Andreas. Puis, un jour, ma mère décida qu'il était temps de s'émanciper de son créateur. Alors, elle le tua. Suite à ça, elle absorba tous les pouvoirs de Nosferatu. Et c'est ce qui lui a permis de résister à la lumière du soleil. Nosferatu était un vampire qui résistait à la lumière du soleil? Non, puisque sur sa planète d'origine, il ne fait jamais jour. Ton histoire n'est pas logique. Comment Sylvanas peut-elle absorber un pouvoir que Nosferatu ne possède pas? Ce n'est pas logique! À mon avis, ta mère a dû vous mentir. C'est sûr même. Je ne vois pas pourquoi elle mentirait. Mais enfin, Célène, réfléchis un peu. Je n'ai jamais tué de pur sang de ma vie. Et je résiste à la lumière du soleil. Je ne sais même pas à quoi ressemble un pur sang. Mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle aurait menti? Sûrement par égoïsme. Pour être la seule à avoir un avantage sur les autres vampires. Ta mère avait la folie des grandeurs. Et ça ne m'étonnerait pas de sa part. Non, je ne te crois pas. S'il existait un autre moyen, elle aurait partagé avec moi. Je suis sa fille quand même. Je vais aller consulter les flammes pour voir si c'est vrai. Tu ne pourras pas voir aussi loin dans le passé. Chérie, tu oublies que je suis un sang-mêlé. Ma mère était une démoniste, de ce fait, mes pouvoirs de voyance sont supérieurs aux tiens. Ne l'oublie pas. Quand tu parles de cette façon, je croirais entendre ma mère avec sa folie des grandeurs, comme tu dis si bien. Nous devons absolument trouver un moyen pour résister à la lumière du soleil. Ça doit forcément exister. Justement, en parlant de ça, j'ai entendu qu'un démoniste qui répond au nom du Ténébreux était capable d'accomplir des miracles. Et c'est seulement maintenant que tu en parles. Qu'attendons-nous? Allons vite voir ce Ténébreux. Des vampires à la porte de chez moi. Dégagez d'ici tout de suite. Sinon quoi, le Ténébreux? Et sais-tu au moins à qui as-tu affaire? Non, mais je sens que vous allez me le dire. Tu as devant toi le grand et l'unique Nosferatu le pur sang. Et moi, je suis sa seule et unique progéniture. L'unique humaine à avoir le sang de Nosferatu qui coule dans mes veines. Alors Nosferatu existe vraiment? Et que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, invitez-nous à entrer. De cette façon, vous en saurez plus. Alors, d'après ce que nous avons entendu, vous seriez capable d'accomplir de grandes choses avec votre magie. Tommy! Tommy, viens ici et montre-toi! Juste ciel! Mais quelle est cette créature? Il est d'un bleu. Je croirais voir ma robe du dimanche. Lui, c'est Tommy, mon plus fidèle serviteur, et aujourd'hui j'en ai fait un génie. Pour le moment, j'ignore quel est son pouvoir, mais je finirai bien par trouver. Intéressant. Bon, écoutez, nous ne sommes pas venus ici pour admirer votre génie inutile, mais pour que vous trouviez une solution à notre problème. Nous aimerions résister à la lumière du soleil. Je crains de ne pas pouvoir vous aider, car je ne connais absolument rien en ce qui concerne les vampires. Dans ce cas, le Ténébreux,
Je vais devoir te tuer. Non, attendez, laissez-moi faire quelques recherches. Il est possible que je puisse trouver une solution. Eh bien, faites! Nous avons l'éternité pour attendre. Enfin, je parle de nous, car votre vie a une durée ridiculement courte. Eureka! J'ai trouvé la solution. Il existe une formule que l'on appelle adjuvans. Quand un être humain en bois, il trouve la jeunesse éternelle. Mais comme vous possédez déjà l'éternité, cette formule vous rendra immortel. Donc vous pourrez vous exposer au soleil sans mourir. Et alors, vous attendez quoi pour fabriquer cette potion? D'être vieux? Intéressant. Alors comme ça, la reine Sylvana s'était servie de la formule d'Adjuvans pour résister à la lumière du soleil? Et tout ça grâce aux ténébreux. Sweetheart, es-tu prête? On peut partir? Oui, maman. Je viens tout juste de finir de préparer mon sac. Oh, perfect! Alors, on y va? À nous, la forêt de Rosewood! De la route, maman? Ah, non, it's okay, honey. Thank you for asking. Bon, allons poser nos affaires et partons en randonnée. Oui! J'ai quelque chose à vous dire. Maïwenn est toujours vivante et elle est une vampire à présent. Maïwenn est toujours vivante? Oui, je l'ai vue de mes propres yeux. Et elle discutait avec la fille de Sylvanas dans Forgotten Hollow. Et c'est pas tout. J'ai même vu une tombe de loup-garou. Une tombe de loup-garou dans Forgotten Hollow? C'est impossible. Mais je l'ai vue, grand-père. C'est la tombe d'un certain Cronoir. Cronoir? Cronoir est une légende. On raconte qu'il a été le tout premier loup-garou à avoir été transformé par la grande prêtresse Elune, et que c'est à partir de sa morsure que tous les Amérindiens ont été transformés en loup-garou. Ensuite, lui et sa tribu ont été entièrement assassinés par Sylvanas au XVIe siècle.
ça a été l'éradication du peuple Apache. Mais tout ça n'est qu'une légende. Je ne pense pas que ce soit une légende. La tombe de Croc Noir est là pour le prouver. Et c'est pas tout, grand-père. Tu te souviens de la nuit où Irma avait jeté un sort pour que la population oublie l'existence des loups-garous ? Évidemment que je m'en rappelle. À cause de cette satanée vidéo qui a été diffusée sur le net nous montrant en train de nous transformer en loups-garous, tout le monde voulait notre peau. Eh bien, souviens-toi, à ce moment-là, on avait senti la présence d'un loup qui portait l'odeur d'un vampire. Tout près de la cité. Oui, c'est exact. Je l'avais senti aussi. Mais c'était l'odeur d'un loup que j'avais senti, certainement pas celle d'un vampire. Eh bien justement, lorsque j'étais à la recherche d'Irma et que j'ai atterri dans le comté de Forgotten Hollow, j'ai ressenti la même odeur. L'odeur de cette étrange personne. C'est-à-dire l'odeur d'un loup et celle d'un vampire en même temps. Impossible ! Justement, grand-père, je voulais t'en parler hier. Lorsque Léo et moi étions partis à la recherche d'Elsa, nous avions pisté son odeur jusque dans le comté de Forgotten Hollow. Une fois arrivés sur place, un vampire amérindien nous a chassés du comté. Un vampire, grand-père. Un vampire qui résiste à la lumière du soleil. Oui, je confirme, je l'ai vu aussi. C'est lui qui a déposé Elsa chez nous pour que je puisse lui extraire la balle. Je l'ai vu se transformer en chauve-souris sous mes yeux et en plein milieu de la journée. Tu ne t'en rappelles pas, Elsa, parce que tu étais dans les vapes à ce moment-là. Ah, mais c'est vrai que je ne me souviens pas comment je suis rentrée à la cité. Je ne me suis pas posé la question parce que la priorité pour moi était de vous raconter ce que j'avais vu. Tout cela est bien étrange. Mais finalement, as-tu pisté quelque chose sur Irma ? J'en mettrai ma main à couper que Maïwenn a quelque chose à voir avec la disparition d'Irma. Je la connais par cœur. N'oubliez pas que j'ai vécu avec elle à l'époque où Dave Navarro avait été possédé par l'esprit du ténébreux. Nous avions partagé le même manoir pendant des années. Vous ne la connaissez pas comme moi, je la connais. Elle n'est pas méchante, mais elle est assez tordue dans son genre. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. J'irai dès demain vérifier par moi-même. Dans ce cas, je viendrai avec toi. C'est le week-end, alors on n'a pas cours. Non, c'est dangereux. J'irai seule. Non, mais ça va pas. Il est hors de question que je te laisse y aller seule. Je viendrai avec toi. Et je vous accompagnerai aussi. Bien. Alors à demain. Alors, Enzo, tu ne nous as pas raconté comment ça s'est passé avec ta petite cheerleader? Oh, avec Jessie, ça va pas le faire entre nous. Elle a déjà un mec. Ah bon? Pourtant, je l'ai jamais vue avec un mec. Bon, bref. Et pour Rosewood, elle compte y aller quand? Je lui ai posé la question et ce n'est pas demain la veille qu'elle risque d'y aller. Mais c'est impossible! Je l'ai clairement vue dans ma vision. Elle va se rendre dans la forêt de Rosewood et trouver le coffre. À moins que ma vision soit déjà passée. C'est déjà arrivé. Aucun risque. Elle n'a jamais mis les pieds dans la forêt de Rosewood. C'est elle-même qui me l'a dit. Lolo. Ou alors, elle ne le sait pas encore qu'elle doit se rendre dans la forêt de Rosewood. Bon, c'est pas grave, je lui demanderai moi-même lundi. Sur ce, j'y vais, j'ai des trucs à faire. Bah alors, Émilie, tu n'as pas été très bavarde ce soir. Une chance pour moi que cette Jessie soit déjà maquée. Mais ma parole, tu es jalouse. Ma petite Émilie est jalouse. Non, pas du tout. Pour être honnête, j'ai menti à Anastasia. En réalité, Jessie est célibataire et elle n'attendait qu'une seule chose, que je l'invite. Alors pour éviter qu'elle se monte des films, je lui ai dit que j'étais déjà en couple. Tu lui as dit pour nous deux? Mais elle va le répéter à tout le monde. Ne t'inquiète pas, Émilie, je lui ai dit que j'étais en couple, mais je n'ai pas précisé avec qui. Tu sais, je vais finir par croire que tu as honte d'être avec moi. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, Enzo? Je n'ai pas honte de toi. Ah bon? On ne dirait pas. Je me demande pourquoi tu veux garder notre relation secrète. Tu devrais au moins le dire à Anastasia. Je n'ai pas envie qu'elle essaie de me caser avec quelqu'un d'autre. Une fois, ça m'a suffi. Et surtout, ça t'évitera de faire la gueule quand on m'envoie en mission drague. J'ai pas fait la gueule. Mais oui, bien sûr, Émilie. Tu aurais vu ta tête quand j'ai raccompagné Jessie après les cours. Ça voulait tout dire. Puis je te signale que tu ne m'as pas adressé la parole depuis que je suis rentrée. Tu as vraiment cru qu'il allait se passer quelque chose avec cette fille? Ça prouve juste que tu ne me fais pas confiance. Je suis déçu. Émilie,
On va avoir un enfant ensemble. Tu crois que j'ai que ça à faire, d'aller voir ailleurs? Ma priorité, c'est toi et le futur bébé. Cette année, on va le décrocher, ce foutu bac. Et avec ça, je trouverai un travail sérieux pour prendre soin de vous deux. Émilie, je t'aime. Ça va, tu es rassurée maintenant? Oui, je suis désolée d'avoir douté de toi, Enzo. Je t'aime aussi. Ne t'en fais pas. Je crois que ce sont les hormones qui commencent à s'influencer. Allez, viens dans mes bras. Oh my god, honey, il est déjà 18h30. Nous devons retourner au bungalow pour préparer le dîner. Non, déjà? Don't worry, sweetheart. Il nous reste encore la journée de demain. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oh, attends une seconde, je crois que j'aperçois quelque chose là-bas. Attends, je vais voir ce que c'est et j'arrive. Maman, viens voir! Oh, what is it, honey? C'est un coffre. Et j'ai bien l'impression qu'il a été abandonné. Qu'est-ce que tu en penses? On l'embarque ou pas? Et pourquoi pas? Il y a peut-être un trésor caché là-dedans. Bon, écoute, ma chérie. Je vais à l'accueil pour voir s'ils ont des allumettes. Je reviens vite. Ok, pas de soucis. Bon, voyons voir si je réussis à ouvrir ce coffre. Ah, voilà, c'est bon. Enfin libre. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Deep in your river, yeah, I took a leap and I died. Down in your river. Yeah, I'm in so deep in, I'm underwater, yeah. And it's hard to breathe without you. I'm deep in your river, babe. Cause looks like rivers pulling you into the ocean. Looks like rivers pulling you in from the ocean. Looks like rivers pulling you into the ocean. Looks like